Bonjour, bonjour, Mbote, ma maman ya Congo. Bonjour, mes chers compatriotes congolais. Bonjour, les internautes. Lelo, nazo lobela pona makambo etali le 18 mars pour la population congolaise. Le 18 mars, ndenge biso nyonso toyebi, ma maman Mboka. Ndenge toyebi, le 18 mars, ezali mokolo oyo ba assassinat président Marien Ngouabi. L'immortel Marien Ngouabi avait été assassiné le 18 mars. Oyo bato ba memaka que vraiment ba Congo ba Congo ba bomi Ngouabi. Mais qu'est-ce que vous ne savez pas, mes chers compatriotes? Mais celui qui avait tué Marien Ngouabi est parmi vous. Celui qui a tué Marien Ngouabi, c'est celui qui dirige le Congo maintenant, avec le bras de fer. Donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui, c'est le 18 mars. Le 18 mars devrait avoir plus d'impact, devrait avoir plus de mémoire à parler que le 10 mars, où il va célébrer que pendant l'Ivoire, il y a Edith Sassou qui n'a jamais dirigé ou qui n'a pas contribué dans les institutions du Congo. Donc, Baninga Bandekolelo, Tozo Lobela Makambo Etali, Makambo le 18 mars, Tokokiko Ezali Mokolo ya deuil, Ponako commémorer l'Iwaya Marien Ngouabi. Marien Ngouabi a été assassiné par Denis Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui ont payé le prix fort. Celui qui a assassiné Denis Sassou Nguesso est encore en vie. Bon, Baninga, comme na lobi na bino que ceux qui toyé na ba vidéo na biso, c'est parce que information ezali. Ceux qui toyé na ba vidéo na biso parce que to lingi to dénoncer et te sensibiliser, te mobiliser, peuple congolais. Donc, toujours dans le cadre de la sensibilisation, toujours dans le cadre du partage des informations, mes chers compatriotes, je vous dis aujourd'hui, nous venons parler de ce qui concerne la mémoire et la mort et l'assassinat de Marien Ngouabi. Bah, chers compatriotes, nous sommes dirigés par le même, par le système, par le régime de gangsters, comme je le dis toujours, par le régime des terroristes, par le régime de Denis Sassou Nguesso qui sème la terreur dans notre pays. Mais nous sommes là en train d'attendre. Vous devez regarder, il faut que mon ami les autres les Kananabambo Kamisoso. Les gilets jaunes, est-ce que vous m'avez dit, banane, gilets jaunes, banane, batelemi pour revendiquer le droit de Bango. Et Zaline, bah français, Namboka na Bango, la France, bazoko revendiquer le droit. Yangwana, bah pour que bah mon Bango, bah telemi. Et ça fait combien de temps les lobes batelemi, gilets jaunes, autozo le melasi comme au Kimoubimba. Bazoko revendiquer le droit de Bango. En Algérie, tout le monde peut dire que la population est telémie pour nous revendiquer, pour nous dire que Balingui, le sous-sous, président Wana a se représenté. Un président qui a été malade depuis 2013. Mais Azaki Kaka pour commander, un président qui n'a même pas communiqué avec sa population. Mais il était toujours en train de gouverner. Avec quelle intelligence, avec quelle mémoire, on ne sait pas. Mais il était en train de diriger ce pays d'Algérie. Mais les Lo Bango ba Télémi, leur peuple est Télémi. Est-ce que le gouvernement va les osa la face? Donc c'est pour ça que je veux dire que peuple congolais, délivrance na biso, libération ya Congo et que vous n'êtes pas ya ba congolais. Venezuela est Télémi. Ezaline des peuples ya Venezuela moto, ezoko bundela. Bo bazoya kapona ko aider Bango ba koya kasima. Algérie, c'est les Algériens qui se sont levés. Ndenge ka moko tozo mona lelo na RDCP, ezali kaka bato ya RDC bango moko bazo telema. Maintenant, si koyo bwe, bo ba koya ka ba communauté internationale liboso tozaki ko kanisa que il fallait bango ba ya liboso. Mais non, maintenant c'est nous d'abord, c'est le peuple qui doit d'abord se lever. C'est le peuple qui doit d'abord se soulever. Donc ya mona si koyo ba peuple congolais. Hein, les Congolais, je voulais seulement vous inviter et vous emmener
partager cette part d'histoire. Oyo mokolo ya lelo ya le 18 mars oyo baboma Marie Ngwapi. Peuple congolais tous allés dirigés par la personne qui avait assassiné Denis Sassou Nguesso et qui avait assassiné Marie Ngwapi. Hein? Bah ko sa bisoté moto assassinat Marie Ngwapi c'était Denis Sassou Nguesso parce que c'était le ministre de la Défense. Mais il y a eu beaucoup d'autres personnes à qui on a condamné, d'autres personnes qui ont été assassinées. Même le cardinal a été assassiné en ce qui concerne la mort de Marie Ngwapi. Alors que le vrai commanditaire de cet assassinat est encore là et c'est lui qui est en train de nous diriger aujourd'hui. C'est lui qui est à la tête de ce pays-là. Donc mes chers compatriotes, moi je vous demande, je vous invite de tous les jours que nous devons nous lever. C'est le peuple congolais qui va libérer le Congo. C'est le peuple congolais qui va libérer le Congo. Donc mes chers compatriotes, nous devons penser à la misère, à 40 ans de misère que nous sommes en train de vivre dans ce pays, toujours par le même régime. Nous devons penser à cela. Et quand nous allons penser à cela, c'est ça qui va nous donner cette motivation de se dire que trop c'est trop, le moment est arrivé que nous devons nous lever. Bozo mona ke basali tabou, basali ba lancer ba annonce pour célébrer 10 ans d'anniversaire il y a Edith Sassou. Il y a Edith Bongo. On a dépensé 8 milliards quand on a même des pensionnaires qui ne sont pas payés. Quand on a les fonctionnaires qui ne sont pas payés. Quand les enfants, ça c'est à main le sol pour aller pour étudier. Ils n'ont pas de bancs, les bancs aller dans les classes pour étudier. Mais on dépense 8 milliards juste pour célébrer la mort. Donc, c'est comme si aujourd'hui, nous, Congolais, on était venus pour observer, pour accompagner la famille de Denis Sassou Nguesso dans le bonheur qu'eux, ils vivent. Et nous, on est là pour les observer, pour les accompagner, pour les applaudir. Non, mes chers compatriotes, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Donc, aujourd'hui, c'est cette petite vidéo que je devais faire pour parler de l'histoire de Marie Ngwapi. Parce que Marie Ngwapi, c'est l'immortel. Marie Ngwapi, c'est celui qui a été assassiné par Denis Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'applaudir Denis Sassou Nguesso. Nous avons laissé Denis Sassou Nguesso nous diriger dans la terreur. Donc, nous avons 40 ans de misère. Parce que Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir depuis 1979. Même si, entre-temps, les Souba avaient pris le pouvoir pendant 5 ans. Donc, une personne qui a dirigé pendant 37 ans. Regardez l'état du Congo. Il a gouverné le Congo dans le tribalisme. Mes chers compatriotes, pensez à la famine que vous vivez aujourd'hui. Cela peut-être va vous motiver de vous lever, de vous soulever contre ce régime. Mes chers compatriotes, pensez à la non-scolarisation de vos enfants. Si nous qui sommes ici, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler pour vous parce que ça nous fait mal au cœur. Parce que nous avons la compatie de cette souffrance-là que vous subissez dans ce pays. Mes chers compatriotes, on est là pour parler du pays parce que nous avons cette souffrance. Nous partageons cette souffrance, mais nous avons besoin de vous qui êtes sur place. Nous avons besoin de tout un Congolais. Personne ne peut faire face à la population. Quand la population se soulève, quand je demande que la population se soulève, on doit se soulever ensemble. Car ce petit groupe ne peut pas nous commander dans la violence, dans les menaces, dans les massacres, nous tuer tous les jours et nous sommes là, nous ne disons mot, mes chers compatriotes. Je vous invite que tout le monde ait cette conscience de se dire que trop c'est trop. Nous ne pouvons pas
faire cadeau à Denis Sassou Nguesso et nous ne sommes pas venus dans ce monde pour accompagner Denis Sassou Nguesso et sa famille. Mes chers compatriotes, pensez à l'absence des soins médicaux que vous n'avez pas alors que ces gouvernements-là, tout ce monde-là, vont à l'extérieur pour se faire soigner. Pensez à cela, ça va vous faire soulever, ça va vous donner la rage, ça va vous rendre en colère pour que vous vous levez contre ce régime, mes chers compatriotes. Pensez à l'insécurité, mes chers compatriotes. Il faut bo kanisa ba mama bo ta banana bino botindi bango na mokili. Ezali pona koyaka kotika boyaka kotika bango botinda ka bango bo bota bango te pour que bayaka ko accompagner famille à Denis Sassou Nguesso. Bo kanisa na pasi ya ko bota ba mama. Bo kanisa na pasi ya ko bota eza na moto te akende ko bota ka pour que apesa mwana na ye kadoba nyokola ye. Na mabele na ye moko to bunde la mabele ba mama lelo ezali le 18 mars ezaki mokolo Sassou aboma Marien Ngouabi ezali mokolo Sassou aboma Marien Ngouabi donc lelo il faut que to sala que to yeba que lelo ennemi na biso ezali nde Sassou eza moto mususu te bon penser na pas signon so bozana ngo de ba mama. Jeunesse, vos pensées, vos fonctionnaires, vos pensionnaires, pensez à cela. Biso tozo loba pamba te, tozo loba parce que tozo mona que mo cannabis ezo kende kaka na ko dinda. Baninga bande ko tozo toza wana pona ko réveiller ba conscience na bino, toza wana pona ko partager information, tozali wana pona ko loba to lobela makama mboka na bino. 18 mars, le jour de l'assassinat de Marien Ngouabi. 18 mars, c'est le jour que Denis Sassou Nguesso avait commandité l'assassinat de Marien Ngouabi. Pour ce procès de Marien Ngouabi, comme on venait de le voir, il y a eu beaucoup d'innocents qui ont payé le prix. Il y a eu beaucoup de gens qu'on a assassinés, qu'on a condamnés. Mais le vrai assassin est encore parmi nous. Le vrai assassin est encore parmi le Congolais. Le vrai assassin, c'est celui qui tient encore, qui est au gouvernement et qui dirige le Congo. Le vrai assassin, c'est Denis Sassou Nguesso. Vous n'avez pas vu depuis 40 ans dans quelle situation que le Congolais vit? Quelle est votre vie là-bas au Congo, mes chers compatriotes? Quelle est votre vie là-bas, mes chers compatriotes? Toloba, otolobate. Baninga bandekobi sotozali ndenga na lobi que tozali ba lanceur ya alerte. Donc tozali wana pona ko partager information na bino. Tozali wana pona ko yebisa bino oyo tango misusu bazoko bombela bino biso tozolo bango. Grâce les lope na ba soso medio ezoko ede biso que information ekendi etambola. Le 18 mars, ezalaki mokolo babomaki Marien Ngouabi. Mais lelo le 18 mars wana ezali mokola ko rendre hommage na Marien Ngouabi. Mais bon moni ndenge nini yango elekani. On a même rendu hommage à Edith Bongo mieux que à des martyrs du Congo. Qu'est-ce que Edith avait fait pour le Congo pour mériter de ces honneurs que oyo Marien Ngouabi motazalaka président ya Bokondi oyo tata wana tata na bino wana ya Denis Sassou Nguesso monguna na bino wana ya Denis Sassou Nguesso aboma. Aujourd'hui c'est le jour que le peuple devait être là pour commémorer la mort de l'immortel Marien Ngouabi. Marien Ngouabi avait été assassiné par Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso Mutazala, vrai criminel, il y a criminel, il y a un beau cannabis. Denis Sassou Nguesso, comme on dit aujourd'hui, si on prend ceux qui va saluer le recensement,
jusqu'à depuis Denis Sassou Nguesso a eu le pouvoir, je pense que Denis Sassou Nguesso a plus tué, il y a eu plus de mortalité que Boyo Bazoko vivre. Donc, ma chère compatriote Lélo, il faut que Toye Bango, Bissonio, ce mois na Congo, il faut y que Motabomaka Marien Gwabi Ezali Denis Sassou Nguesso. Motabomaka Marien Gwabi Ezalaka Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a salamangoute parce que Oya Zo Salawana Azo commandé dans ma menace na bango bazoko sale na bateau, ba violence na bango bazo sale na bateau, ba makambonyo sa ma be bazo sale na population. Et qu'on a la sans impunité. Ako bako futango. Bako futango parce que ce qui est l'homme, c'est le peuple qui l'a mouka. Bako sa la face na peuple. Yangwana na zoko senga na peuple nyoso, na peuple congolais. Il faut bo tele ma bo la mouka pour na to libérer mboka wana ensemble. Mosala biso tozo sa les ali pour na te que tozo sa la devant ba vidéo na biso ezali ou bien ba social. Le contraire ba média ezoko aider biso ba média ezoko aider population ezoko aider peuple mobimba o ya lingi ko se soulever O peuple o ya lingi ko se soulever biso tozali wana pona ko annoncer ma be o bazoko bombela bino tozali awa pona ko annoncer o bazoko bombela bino na Congo kuna bo bosa na tendenge tozolo bango mikolo nyonso to ennemi na biso ezali Denis Sassou Nguesso. Ennemi na biso ezali Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui c'est le 18 mars, le jour que Denis Sassou Nguesso avait assassiné Marien Ngouabi. Et Marien Ngouabi, il est d'où? Il était d'où? Il était du nord. Okombi Salissa aujourd'hui qui se retrouve en prison, il est du Nord. Mokoko, tout ce monde-là ont servi avec Denis Sassou Nguesso. Donc vous pensez que la meilleure personne qui peut diriger le Congo ou bien qui peut donner le bonheur au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso. Mais nous avons l'exemple. Dans quelle direction le Congo va? Tozo ke nena wapi direction ba mama bandeko ba mama na zoko benga bino bo tout nanga bozana besoin ya nini pona bo telema. Le peuple a besoin de quoi pour faire un soulèvement populaire? Le peuple a besoin de quoi? Aujourd'hui, le 18 mars, c'était le jour où le Congolais était en deuil à cause de l'assassinat de Marien Ngouabi. L'assassinat de Marien Ngouabi qui avait été commandité par Denis Sassou Nguesso. Et c'est d'autres personnes qui ont été condamnées et qui ont été assassinées. Et le vrai commanditaire, il est encore là parmi nous, parmi vous. Et il continue à faire ces massacres. Et le peuple congolais est là, ne dit mot, ne dit rien. Et ils sont là, Nzambakosala, parce que Nzambakosala, talaba soulèvement ezosala na Algérie. Est-ce que bon moni présence en Nzambe, ou bien Zali, peuple motazali wana? Est-ce que bon moni que na première ligne, ni Nzambe motazali? Oui, Nzambazoko aide biso, mais biso mototozali, Nzambatinda biso na mokili, oui. Nzambavanda rana biso awate. Mais nous avons besoin de sa vie au courage pour que tu t'aimes à accueillir des bisous. Mais ce que tu vends, tu as dit que tu vends, tu as dit que tu as dit que tu t'aimes. Il faut que tu t'aimes à te revendiquer le droit à bisous. Oh, ils allaient moi, la femme. Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a préparé pour la femme congolaise? À part le groupe à bateau, il y a un groupe qui, comme d'habitude, la première dame marionnette, mais la femme doit être célébrée tous les jours. Moi, si Azali, il faut à la mouka, aïe, ba nini, à kosala pona li botanaye, et ça, kaka moko, mois ya mars, et ça, kaka pona moko, la ya mois ya mars, c'était. Mais tel un dengue basi bazoko respecter bangote na Congo. Ba maman nazo ko invité bino, nazan a besoin na bino.
pour que bisoto ça la révolution. Ce qui va tata bazoko kangote. Nazoko invité bino ba maman. Nazoko invité bino de jeunesse. Tout ça la révolution yo ensemble. Tout ça la soulèvement yo ensemble. Parce que na monique ba tata bazoko ka etumba oyote. Ba tata bazoko ka etumba oyote. Nga nazoko invité bilenge, nazoko invité ba maman. Passe bon kanisa passe ya kobota. Bon kanisa passe ya kobota. Pour que tous ala na mouvement ya sika, oyoko ya ko libérer mboka wana. Mais mboka wana ko sala libérer ba mama bino pe ifo botelema. Siko yo nazo ko invité nde ba mama bolakisa. Bolakisa ki bo mama na bino, la jeunesse. Bola qui s'acquit jeunesse na bino parce que vous n'avez rien à perdre de la jeunesse. Seul maintenant, il faut que nous devons penser à libérer ce pays. Nous devons commencer à traiter, à savoir comment est-ce que nous allons libérer ce pays. Le 18 mars, Sassou Avé a condamné et Sassou Avé a assassiné Marianne Wabi. Et Sassou, aujourd'hui, pense que le Congo lui appartient. Nous devons se lever pour lui faire comprendre que le pays et le Congo appartient au peuple congolais. Et le peuple congolais n'est pas seulement de la famille de Denis Sassou Nguesso. Le peuple congolais, c'est du nord au sud et de l'est à l'ouest. Wana ezali mabele na biso photo sauvé yango. Ma maman n'a zoko invité bino ma belle Ezali a biso photo sauvé yango. Biso tozo yaka pona ko yako dénoncer, pona ko yako lobana bino, pona ko yako mobiliser bino, ko lobana bino il faut to téléma. Il faut to téléma pona ko libérer ma belle ya Congo. Ma belle ya Congo Ezali a biso, il faut tozala fier na ma belle wana. Mais tozala na fier pona mututé, tozala fier pona Denis Sassou Nguesso té. Mais tous à la fière, na ma belle, na biso photo libérer yango. Photo libérer ma belle ya Congo. Baninga bandeko, wande zala ki pona koloba makambo ya le 18 mars, pona koya koloba koya ko pesa sango na ba bilenge. Oyo bayebi histoire ya le 18 mars te. Le 18 mars ezali mokolo Denis Sassou Nguesso a assassina Marianne Wabi. Le 18 mars, c'est l'assassinat. C'est le jour où Denis Sassou Nguesso avait commandité l'assassinat de Marianne Wabi. Maintenant, passons encore à quelque chose que nous avons, à l'information que nous avons reçue. Comme je vous dis toujours, que quand nous recevons des informations, nous devons le partager avec vous parce que nous savons que Ndenge Basala Rana Congo, information et les Karana coulisses. Ben, information et les garana coulisses. Donc, peuple congolais parfois ça l'a surpris, puisque ba katarabino ba réseaux sociaux, ba katarabino ba internet, et ba kamati na télé ya Congo, ba tieli bino ba image o bango ba lingi bino bo croire nango. Mais bino il faut bo suivre que biso comme ça vous allez la vraie information en temps réel, parce que biso tozo travailler na système Ondenge Bernard Pungi Mota Canada Aloba, tozaye na système ya baie vitrée. Système ya baie vitrée, oh, tout le monde voit tout le monde parle avec tout le monde écoute tout le monde. Donc système ya baie vitrée, wanape, oyo bango bazoko traité na katia coulisses, oyo bango bazoko traité na katia kikoso, oyo bango bazoko traité na katia molili. Au bango baso ko traité na si ba table. Biso système ya baie vitrée toyé bakango. Pendant que bango baso ko traité biso pe tozali wana po tozali système ya baie vitrée o elingi no bakke ezali na mureté oyo bango baso lo ba biso pe tozoyoka. Ma tozana na ba matoi na biso na kati ya système ya Denis Sassou Nguesso. Tozana matoi na biso tozana ba miso na biso. Le caca na système ya Denis Sassou Nguesso. Donc ce qui bino bo décider le lo que bo sala na biso to ko libérer Sassou Nguesso na mokolo moko. Ce qui bino peuple congolais bo décider
et kozala nango eloko moko ya muke. Même boyo bazoko kendena Denis Sassou Nguesso ba Dominique Strauss-Kahn ba, ba Kouchner ba bango ba josona ba kotourne eza nango système ya ba mindele eza système na ya ba français ba kendeke pa ima ezo kotchola mais mokolo ba komona ka que peuple congolais a telemi ba kozala na peuple congolais parce que bango pe bango bango pe système o bazolinga ngote mais comme on dit l'intérêt guide l'homme. Ba gilet jaune bon moni bango na France on a oyo makambo bango bazo sale c'est comme déjà combien de temps. Donc biso pe ba congolais tozan a besoin peuple congolais il faut la gilet jaune. Peuple congolais il faut tele ma contre régime wana. Donc système on a un système il y a information tozui hein na information tozui na système il y a bien vitré. Oyo tout moto nyosa mona ka moninga moto nyosa toazo mona moninga moto nyosa toazo koyoka moninga moto to tozali bango bazo kansa ke bazo traiter makambo na kikoso bazo penser ke bazo kansa bazo traiter makambo na na kobombama bazo traiter bazo kansa ke moto tozo yoka po ba système ya bevite ezali wana talaka ka même na RDC makambo Kabila traiter ke na na gouvernement actuel eza nango ya koyeba eza makambo kobomba ya kobomba te ba réseaux sociaux ezoko aider biso ezoko aider biso pona to salela ngona kimayele to salela ngona intelligence nyoso parce que deux fois ba réseaux sociaux ezoko mela biso pe busoba mais to salela ngona mayele da esa ezala ke eloko moko ezoko mela biso liboso mais pas ezoko réduire biso ou ezoko tirer biso vers le bas. Donc système ya bevité et le bina biso ndenge et le bina biso ndenge nini. Ça Denis Sassou Nguesso azolinga ko anticiper ba élection ya 2021. Alingi ko anticiper ango ezala na 2020. Pona nini parce que azolinga mwana na ye azwa pouvoir. Il veut que Kiki soit celui qui va représenter le parti PCT naba élection présidentielle il y a 2021 et comme ça donc le pouvoir doit rester dans le même dans la même famille dans le même groupe. Donc pendant 40 ans s'ils n'ont pas pu diriger, pendant 40 ans si nous sommes en train de vivre dans la souffrance, dites-nous aujourd'hui ce que Kiki a l'équipe à pouvoir, ni n'y a que ça là, autre que Tata Naye à Salakité. Kiki ne fera que le, il fera que pire, parce que Kiki c'est plus, parce que Kiki a vécu que na kati ya ba horreur. Kiki a vécu les enfants de Denis Sassou Nguesso à part Edith, ils ont vu que le sang. Oyo tata na bango abomaka mikolo nyoso. Donc mwana oya Monica Kawana boye bisanga amour ni na koki ko apporter na peuple congolais. Donc ba chers compatriotes, soyons vigilants parce que Denis Sassou Nguesso, le jour que Denis Sassou Nguesso va vous dire que les élections de 2021 doivent se passer en 2020 et pour quelle raison d'abord? Donc, c'est pour vous dire que Denis Sassou Nguesso se réveille le matin, comme il voit que le peuple congolais, personne ne se lève, il se décide de changer tout à son humeur. Le fait que le peuple congolais ne dit rien, donc, tout suivre que Makamo. Donc, ce qu'a lobby qui a changé constitution, te dit Amen. A lobby que Lelo Nabouningena Sala, élection Lelo, te lobby Amen. À lobby que Lelo aligne moi nanaya les cana pouvoir ton lobby amen. Chers compatriotes, peuple yandenge nini ango tozali. Peuple yandenge nini. Peuple bazo kokufi sabino banzala bozo lobate. Peuple bazo bomabino banana bino bozo lobate. Peuple bazo ko violer bino banana bino bozo lobate. Peuple bana bazo kene na classe bozolo baté. Peuple bakoufi sinzala bozolo baté. Peuple affamé bozolo baté. Ba pensionnaire bazo futa bango te bozolo baté.
peuple ya nini abuzo bandenge nini ngo bozali to lobela na bino na en quelle langue on doit vous parler to lobi na français ma bé to lobi na lingala ma bé to lobi na kikongo ma bé to ko lobela bino na wapi langue wapi langue biso to ko lobela na bino peuple congolais comme ça boye ba que ezali moment to il faut que to telema pour libérer notre nation, pour libérer notre pays. On doit vous parler dans quelle langue? Du charabia? Peuple congolais. Toko lobela bino na bandenge nini. Bolingi to zwawa piton. To lobana ndenga ki malembe bozo yokate. To ganga pe bozo yokate. Bolingi siko to lobela. To longola bilamba. To longo la bilamba si koko ye ba ke vwaman kanda eleki makasi. So ki biso moto tozali na bamboka misusu, tozo ko mwona pasi na motema. E poutan tozo liya tozo mela. D'ailleurs bon mwona nazape na mwoni, na koki ko mela ndenge na lingi. Na ko liya pe ndenge na lingi, na ko liya na ba fason nyoso. Me makambo mboka na biso ezo mwoni sa biso pasi, tozo telema, tozo lamuka, tozo lobabe, tuko sala nini. Pona nini peuple wane zo telema, te peuple yango, to lobana bino ke mozaba zo ba o nini. Peuple yandenge nini wana bazako bazoko nyoko la bino bozo loba eloko te. Peuple yandenge nini wana bobazo. Peuple yango bozo zela nani Yesu ako kitate pona ya kosalisa peuple wana Yesu ako kitate parce que Yesu apesi biso makasi biso moto tozo vanda libosa ba tele na biso na ya ba media na biso pona ko mema sango na bino ezali mayele ya Nzambe pour que to communiquer na bino Boza ko tuna chance lelo tozali quand même na système wana que sango ezali tokoki ko yako tokoki ko partager wana bino Bozo vana na bino pe bozo la mkaboye pe loko nini bokolia pete bozo lo ba pe kaka eloko te un peuple congolais peuple ya zo ba ya ndenge nini wana na Algérie ba telemi bazala ki kaka na 20 ans ya système ya mokondi wana Me ba telemi, talalo ba telemi, président wana sali faste, parce que ba linga ki ba tia président, ba linga ki ba brigue 5e mandat, peuple a lobité ko lekate. Peuple, peuple a telemi, ba kokili sou sou kote le mana bangote, que gouvernement wana e sali marche arrière. Donc, Congolais bisoto zo zelanini. Donc nzambe akokita kaka pona biso pona peuple congolais pona peuple congolais donc nzambe akokita kaka pona yo kobundisa sasu bamboke ezali ebele ezoko sufi mais peuple azoko telema peuple azoko telema peuple congolais toza na besoin na bino pour que to sa to mene etumba yo ensemble pour que to mene etumbo yo Bisonyoso. Moussala Bendine 242 Bazo Sala. Ezali pour na peuple congolais. Moussala Oyo Bernard Pungi a zwaka tonaye avant na akabaka ba information. Ezali pour na peuple congolais. Ezali pour que binoboye bani de soko leka. Moussala Oyo ba vrai diaspora Bazo Sala. Ezali pour na peuple congolais. So ki biso tozo sala ngo bino pe boko ki ko sala. Bo contribuye na ndenge nyoso pour que to libere mboka na biso. Bo libere, bo to contribuye na ndenge nyoso. To zala mieux so ki toza na bamboka na biso. Mieux vaut avoir petit chez soi que d'avoir grand chez les autres. Parce que so ki zala ki ndenge wana, mes chers compatriotes, nanga ki na vanda pona lo bana binote parce que oyo nazana ngo awa nazana ngo na kongote nanga ki na lo ba ke ba ko lo ba tete kana vanda pona zali naza eloko ezozanga nga ezate mais eloko ezozanga nga ezama belena nga pe na ko bungela ngo tina suka
na ko bundela mabele na ngaba na nga ifo baye ba que mama na biso a contribué que pour la libération ya mboka na ya Congo parce que ça soit aux années éternelité mais il faut bana na ngaba ye ba que na bundela ki libération ya mboka wana donc ce qui moko na biso ko ki ko sala ngo ça soit ko sala face na biso te ça soit ko sala face na biso te mais ce qui peut bosali ke ba te ça soit ko imposer dino mwana na ye ki ce qui te réveille ma conscience n'est plus maintenant voyez bah que qui a causé la wana et ce qui a sili si causé la lissus mon sus ban que congolais le moment est arrivé si Sassou ne veut pas quitter ne veut pas respecter la constitution comme il a déjà violé la constitution à son image. Il faut que Sikoyo Bisoto Telematoloba que il avait lui-même prononcé à un discours que il n'accepterait jamais que la constitution soit violée. Mais il a été la première personne à violer la constitution, à modifier la constitution. Donc, motandengo nande obisoto rosa la confiance. Motoyandengo nande obisoto rosa la confiance. Toloba tolobate. Bon moni pe l'obisoto zoloba bon parfois balwa. Ah, otika bango. Et ça les locaux parce que ba vidéo na biso écotique la na ba archive et ça ma le bezo kené na ezo kené na mon PPT peuple congolais na zo ko invité bino totele ma pona ko libérer Congo le 18 mars Denis Sassou Nguesso avait assassiné Marianne Gwadi et jusqu'au jour d'aujourd'hui il gouverne ce pays avec le sang des Congolais. Il gouverne ce pays avec des menaces. Il gouverne ce pays en violant les enfants du Congo. Il gouverne ce pays dans la corruption. Il gouverne ce pays dans le tribalisme. Ngana kola ki na yebakite, nani azala ki moto ya le nord, nani ya le sud, nani. On ne savait pas ça, tout le monde était mélangé avec tout le monde. Mais l'élotala, il a divisé pour mieux régner. Et ça marche à sa faveur. Et puis, si on a un Congo, on a un peu de temps. Ma maman, na pesibino sango yo boye, Denis Sassou Nguesso a zolinga anticipé ba élection ya 2020. Bo fongo la miso. Et loko wana e salamate. Pour ceux qui salami, Denis Sassou Akundi Congo Mobimba. Donc, to kaboli, to sali kado, mboka wana na Denis Sassou Nguesso. Nazo ko invite peuple congolais, azala vigilant, na ba message obiso tozo pesa. O tozo ye la bino, tozo kabe la bino. Pour que to sauve mboka wana. To salate que. To komisa mboka wana lokola que to Sassou apakola biso naïveté. Sassou apakola congolais naïveté. Congolais akoma zoba. Azomo na pe pas sezo ya kabazia ko boma mwana ne na kati ya lopango bazo boma mwana na ye. Regardez quand il y a eu l'assassinat de Chakona. Aujourd'hui on a jamais connu les vrais responsables. Et ba responsable ngope kani bango to bazo ko diriger ba mboka wana bo ba ko feli bana na bango bazali wana ba mama bazo ko inviter bino ezali mois ya 8 mars na ko kwaki ko sala fête ya 8 mars wana te na ko ki pe ko sala ngote jusqu'à ce que je ne verrai pas mon pays se libérer de na maboko ya Denis Sassou Nguesso tout pendant que ba droit nanga ezali respecté te. En tout cas, le 8 mars ou le mois de mars n'aura pas de valeur, n'aura pas de sens pour moi. Donc, bah, chaque compatriote, n'aie que ça la vidéo pendant que le peuple congolais, le 18 mars, les alliés mokolo ya deuil. Le 18 mars, les alliés mokolo, oh, Denis Sassou Nguesso aboma Marianne Gwadi. Donc, moi, na Congo, miso na yo fongola miso.
mitia yo moko olingo kende wapi. Olingo vive toujours na kati ya souffrance ou bien olingo bunde la mboka na yo pour que boyo bako ya bamona. Bamona kitoko ya mboka wana, ba sepela na mboka wana. Lokola ba mboka biso tozo vive, bato misusu ba bunde la, bato misusu ba tanga ba makila, ba tangisa makila na bango. Pona mpona ke mboka oyo ezala ndenga ngwe ezali lelo. Pona ke mboko ezala na ba droit. Oyo biso bato nyonso bazo ko profiter nango. Bato batika ba makila na bango, y a pas une révolution sans conséquence. Donc totala tolamuka pour que to mema mboka na biso, to libérer mboka na biso, to zala na ba vraie justice. Tous à la vraie justice, tous à la vraie démocratie. Donc, moi, na Congo, téléma, pona, ko bunde la mboka na yo. So que o bunde li mboka na yo te, c'est que o ko bunde la li sousou nani. So ki o mi telemi pona mboka na yo te, o ko mi telema li sousou pona nini. Pona nani, ma bele ya Congo ezali ya yo. Mabele ya Congo ezali yanga. Mabele ya Congo ezali pona biso nyonso. Nzambe ya sala biso faveur tozana mabele oyo oye produire tozana mabele oyo ezana richesse nyonso. Meto kamati yango to pesi nyonso na mapopa Denis Sassou Nguesso asala oyo ya lingi. Ba mama bilenge nazo ko invite bino tozala elongo to libere mboka na biso. Bozana besoin ya nini? To bana ko préparer etuba oyo biso nyonso elongo biso to kosala nini bino boko sala nini soulèvement populaire si on a y a même besoin des armes nous devons nous préparer parce que avec Denis Sassou Nguesso rien ne se fera sans le bain de sang bana Congo to bundela mboka. Tous en abolingo mboka na biso sur ce nazoti kabino. Le Congo nous appartient. La démocratie a un prix. La justice a un prix. Et prix yango ezali soulèvement populaire avec le peuple congolais. Merci. Le peuple gagne toujours, comme l'avait dit Rossi Mukendi. Bana mboka, tous en abolingo mboka. Et que motiver biso to telema pendant que vous dites ça régime ya Denis Sassou Nguesso donc nazo senga na bino bana mboka tozala elongo pendant que libérer mboka na biso bolingo mboka il faut pesa biso courage ya koloba que on ne peut pas s'habituer à la souffrance. Vive la démocratie, vive la démocratie, vive la justice. Mwana mboka telema, mama telema, jeunesse telema, et pa inyoso bozali to telema. To bodi sa régime wana, ekozala esengo pona biso nyoso, ekozala bonheur pana mwana miso akongo.